L'émission Pépite d'entreprise vous est offerte par Coris Banque International. Suivez Pépite d'entreprise avec Canaplus Burkina. Chers amis téléspectateurs de la télévision BF1, vous êtes connectés sur la première audience télé au Burkina Faso et vous faites bien. Nous sommes à Pépite d'entreprise. Vous le savez, cela fait déjà 2 mois à peu près que nous avons commencé avec plus de 300 jeunes entrepreneurs. Et là, ils sont toujours 200 à poursuivre l'aventure. Aujourd'hui, c'est journée spéciale. Nous sommes au camp de gendarmerie de Passepanga avec les pépites qui sont derrière moi. Pépite d'entreprise. Eh bien, aujourd'hui, on va avoir une séance de sport suivi de cyclisme, en tout cas un programme intéressant, assez chargé, et pour cela nous allons avoir une prise en main très spéciale avec une dame très spéciale. Alors nous allons nous tourner vers elle, c'est notre monitrice du jour. Bonjour. Bonjour, effectivement il y a une activité sportive ce matin et dans l'activité nous allons faire un renforcement musculaire. On va commencer par un léger footing et puis après faire en tout cas une formation, un léger truc pour les montrer et une idée de ce que nous vivons aussi à l'intérieur ici. Merci. Alors donc vous rassurez que c'est vraiment léger. Voilà, un léger, parce que si on doit les montrer ce qu'on doit faire, c'est pas sûr qu'on va s'en sortir. D'accord, alors on a constaté que les retardataires, ceux qui ne sont pas venus à l'heure, ont été pris à part. Qu'est-ce qui est prévu pour ces gars, pour qui j'ai déjà peur moi? Parce que chez nous ici, non, on est ponctuel, on n'aime pas les retardataires. Voilà, donc quand il y a des retardataires comme ça, il y a une prise en main spéciale pour eux. Voilà, c'est ça. D'accord, voilà qui est bien dit. Je n'ajoute pas un petit mot. On est parti pour une matinée bien spéciale. Suivez-nous, c'est parti. Non, mangez-les les gars, mangez-les. Non, mangez-les. Si vous ne me voyez pas, c'est que j'ai disparu avec quelqu'un. Donnez-le, alliez-vous bien. Hey, coin. Hey, oh, quand tu es excité. Je vais dans le coin. Hey, coin, 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 coin. Hey, hey, hey! Quand il dit le show, quand il présente, le show! Il dit le show, le show! Hey, le show, faut le présent. Alors, on avance! Quoi? 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 Debout! Le premier là, debout! Avancez, venez vous gagner! Doucement! Vous allez courir! Celui qui va marcher, on le prend individuellement. Tranquille, rattrapé. Tranquille, on est couru. Oh, les gars, regardez celle-là. Vous la voyez, c'est bien. Ça va disparaître. Hein? Oui, d'arriver. Quoi?
Tu te moques d'elle ou bien tu te fous d'elle? Non, choisis. On choisit une réponse. Tu te moques d'elle ou bien tu te fous d'elle? Choisis ou bien elle reprend. Repos. Tu as vu que tu as un peu élargi, un peu. Voilà. Garde à vous. Il faut suivre, non, tu n'as pas suivi. Garde-vous, tu vois, repos. Garde-vous, tu vois, il y a un peu seulement qui bouge. Où va? C'est un pied qui bouge. C'est un pied, un seul pied. Tu as vu, façon de lui mettre la bouger, quand il est garde-vous, il a fait comme ça. Non, 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 pas faire bouger sa main. Voilà, et tu tapes de cuisse et tu bombes un peu ta poitrine. Voilà, il faut être fier. À ce moment-là, parce que quand tu fais le garde-vous, là, il faut être fier et tu bombes ta poitrine. Tu soulèves un peu la tête. C'est bon? Hein? Vous m'entendez, l'eau? Garde-vous! Non, j'ai dit de regarder d'abord. Parce que juste après, il y a des gens qui sont là, ils sont en train de regarder mes enfants. Garde-vous! Repos! Garde-vous! Repos! Garde-vous! Repos! Garde-vous! Halte. À gauche. Gauche. J. Halte.
plus. Une seule nuit a déclenché sa marche triomphante vers l'horizon du bonheur. Une seule nuit a réconcilié notre peuple avec tous les peuples du monde. À la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous vaincront. Aïe, si on voulait vous expliquer le bel amour, vous avez eu quoi? On est tombé en panne. Ah, vous êtes tombé en panne. Tu parles de moi, je n'étais pas en panne. Hé, hey, commencez à boire, faites vite. Allez-y, prenez-vous, venez! Hé, hey, il dit ça là, c'est là qu'il disparaît. Hé, hey, on se dépêche! Derrière! Passe la main derrière, attrape! Oh oh, passe ça! Attrape ça là! Avance! Attrape! Hé! Hey, attends, attrape! On se calme, on n'est pas pressé! D'accord! On a toute la journée pour ça, hein? Quand le canard marche, il faut le temps. Coin, 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 c'est bon? C'est ça. Donc, gauche, droite. Gauche, droite. Et puis le coin, ça suit. Hé! Hey. Alors, hey, j'ai des retardataires ici. Tu dois pas suivre les autres. Pour toi et moi, là, c'est. Hein? Hey, c'est bon, reste comme ça. Va! Ah, ah, ah! Didier, on va faire. Didier, monte un peu, Casse ça. Voilà, casse ça. Voilà. Descends. Voilà! Monte un peu ça là. Didier! Voilà! Voilà, on roule le pas, Président, point,
Je me nomme Drago Salou. Salomon. Je me nomme Drago Salomon. Marguia ou Drago Salomon. Marguia ou Drago Salomon. Bon. Président. Sainte victoire. Alléluia. On tape. Lion des oies. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia. Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer tous ses frères qu'il est ressuscité. Mais oh, attends, stop, président. Est-ce que c'est le moment de chanter que Jésus est ressuscité? Il n'est même pas encore mort. Il n'est même pas encore mort. La semaine sainte, la seconde. La semaine sainte, la seconde. Faut faire pardon. Président. Oui, présent. Président. Présent. On change de ton. Président, couchez. Couchez. Le président. Le président est venu pour la clôture. Allez, vous avez vu ces chaussures? Vous avez vu ces chaussures? Bon, voilà. Salut. Salut. Super! Oh! C'est ça qu'il s'agit! On est où là? Poulet franchement! Hé! Hé! Roule! Voilà! Ok! Roule! Ok, super! On y va! Ok! Ok! Allez, on s'élève! On va boire! Allez-y! Allez-y, boire! C'est bon! Allez-y, boire! Ok. Oui.
On vient de finir donc une session très dynamique. C'est appelé ici prise en main, mais cette prise en main, je suis sûr que les pépites vont en entendre parler pendant très longtemps. Eh bien, nous sommes avec des jeunes gens engagés dans l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, on leur a montré que l'entrepreneur, c'est aussi celui qui fait du sport. Celui-là donc qui a un corps sain, car il faut un esprit sain dans un corps sain. Et on va applaudir très fort pour dire merci à l'équipe dynamique de la gendarmerie avec nous. Alors, formidable. Voilà, alors ils ont encore de l'énergie, je ne sais pas si on va continuer la séance de sport. On va vous demander s'il vous plaît d'applaudir très fort pour celle-là qui a conduit cette équipe de sport. Venez avec nous s'il vous plaît, venez s'il vous plaît. Voilà, vous restez juste à côté. Alors, on va vous présenter d'abord. Hein, fixez la caméra et dites-nous qui êtes-vous. Moi, c'est l'adjudant Anate Marina. Je sers à la direction des sports de la gendarmerie nationale. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez pris donc les pépites en main. Ce sont les jeunes hein, qui sont lancés dans l'entrepreneuriat et qui sont donc dans une compétition dénommée pépites d'entreprise. Aujourd'hui, après avoir passé un peu plus d'une heure avec eux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En tout cas, c'est bien. Ils sont vraiment engagés. Donc je les encourage à continuer comme ça. Et les retardataires, là, ils n'ont encore beaucoup évité parce que ça ne va pas avec... l'entrepreneuriat, je crois. Voilà, merci. Alors, il semble un peu avoir un peu d'énergie encore. Hein. Alors, est-ce que vous les reprenez encore à main ou bien on reprogramme? Voilà, je voudrais leur poser la question. Vous êtes dynamique parce que je suis en train de partir ou bien c'est parce que vous voulez continuer? C'est ça? Pardon? Donc, vous êtes fatigué? Donc, on peut recommencer? C'est sûr? D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Alors, ce n'est pas fini. La session de sport, oui, mais aujourd'hui, on parle de civisme, on parle de citoyenneté. Avec la gendarmerie nationale du Burkina, nous allons aller dans la salle Norbert Zongo pour la suite. C'est right now. Chers téléspectateurs, chers amis qui nous suivez sur la première audience télé du Burkina Faso, vous le savez, nous sommes avec les pépites, les jeunes entrepreneurs en puissance. Et aujourd'hui, nous avons fait une immersion au camp de la gendarmerie de Paspanga. Avec les jeunes entrepreneurs en puissance, nous parlons aujourd'hui de civisme, nous parlons aujourd'hui de citoyenneté. Et vous avez certainement suivi la petite séance sportive qu'ils ont eue tout à l'heure avec un plat spécial concocté pour les retardataires. À présent, nous sommes dans la salle Norbert Zongo, à l'intérieur du camp. Et je suis avec le commandant Yé. Commandant Yé est le directeur de la communication de la gendarmerie. Il est avec nous. Applaudissements nourris. Alors, nous allons écouter une communication qui nous sera donc... faite par le commandant Yé sur le civisme, la citoyenneté. Mais avant, on va lui arracher quelques mots sur le résumé de ce qui va être dit avant donc qu'il ne commence pour la communication. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous allez voir avec les pépites en résumé. Ça va? On ne s'est pas encore dit bonjour. Bonjour tout le monde. C'est sûr que ça va? Donc félicitations d'avoir réussi au niveau 1. Des épreuves de ce matin. Vous avez suivi, ok. Félicitations en tout cas. Le niveau 2, c'est à la fin de la matinée. Quand même pas, on va quand même pas vous laisser repartir comme ça quand même. Hein? Il faut qu'on vous laisse un bon souvenir de cette matinée. Hein? Ok, donc je voudrais vous souhaiter la bienvenue au camp Paspanga. Je précise que c'est la salle Zongo Norbert. Zongo Norbert, non Norbert Zongo, du nom d'un gendarme, d'un des premiers gendarmes tombés au cours d'une opération dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. Voilà, donc c'est un hommage à ce gendarme-là qu'on a surnommé la salle Zongo Norbert. Ok, donc bienvenue encore à la gendarmerie nationale. C'est un honneur pour nous de vous accueillir pour cette session. Quand nous avons été approchés par la direction de BF1, nous avons estimé que c'était une bonne idée. Et donc, sans hésiter, le commandement de la gendarmerie n'a pas tenu à vous accompagner dans cet exercice. Donc, vous avez été accueillis
Camp Passmanga. On pensait que vous allez venir tous à l'heure parce que je pense que des entrepreneurs, c'est vous qui êtes les premiers à devoir venir à l'heure en principe. Donc, l'idée d'accueillir les retardataires, c'était aussi pour inculquer à chacun que l'heure, c'est l'heure. Et puis, dans un camp, vous devenez à l'heure, malgré ça, il y a rien qui arrive, tu peux même devenir en retard. Donc, vous voyez qu'il faut qu'on ajoute quelque chose à la fin de la séance. Vous êtes d'accord, non? Oui, mais le problème, c'est que vous êtes un groupe. S'ils sont peut-être en retard, c'est que vous les avez laissés venir en retard. Donc, vous êtes tous comptables de cette situation-là. Tout à l'heure, nous allons donc commencer par le capitaine Odrago Lionel, qui est le commandant de l'escadron de musique et d'honneur de la gendarmerie nationale, qui va vous parler de civisme et de citoyenneté. À l'issue, je vais revenir pour résumer un peu la journée et vous parler aussi des symboles de la nation. On a eu un des premiers symboles ce matin avec, sinon même deux, avec la montée du drapeau, qui est l'emblème, et l'hymne national que vous n'avez pas su bien chanter. C'est bien ça? Ça aussi, on va rattraper ça à la fin de la journée. On va rattraper ça à la fin de la journée. Croyez-moi. Ok, donc ce sera à peu près ça, ce qui va se passer au cours de cette journée. J'espère qu'à la fin, vous allez en tirer quelque chose. Le but, c'est de faire en sorte qu'on pense qu'un chef d'entreprise doit maîtriser un certain nombre d'éléments, de civisme, de citoyenneté, et bien sûr connaître les symboles de la nation burkinabé. Donc à la fin de la séance, vous devrez être en mesure de, au moins de maîtriser ces éléments-là et d'être conscient d'une chose. La première des choses, c'est que vous êtes des Burkinabés et vous devez être patriotes et par conséquent, vous devez être des moteurs du civisme burkinabé. Si on arrive à inculquer ça à chacun d'entre vous, je pense qu'on aura réussi en quelque sorte cette matinée passée au camp Passepanga de la gendarmerie nationale. Maintenant, n'hésitez pas à interagir avec le capitaine, avec moi-même et puis avec vos encadreurs qui sont là toute la matinée avec vous. S'il y a des questions, s'il y a des préoccupations particulières, n'hésitez pas à lever la main et puis on pourra interagir et enrichir les débats. On va applaudir très fort donc pour le commandant et le capitaine qui sont avec nous et on va prêter oreille attentive. Pépite, plus rien à ajouter, place à la communication. Suivant. Donc, bonjour à tous. Voilà, comme le commandant l'a dit, je suis le capitaine Lionel Odrago. Je suis au groupement d'escorte et d'honneur de la gendarmerie. Donc, je suis là ce matin pour m'entretenir avec vous sur la question du civisme. J'espère honnêtement qu'à la fin de cette séance, je ne vous aurai rien appris. Honnêtement. Parce que, bon, si je vous apprends quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Moi, je suis... je suis Mossi, du Yatenga. Est-ce qu'il y en a d'autres, ici, parmi vous? Est-ce qu'il y a des gourmandiers? Ils sont combien? Où sont les gourmandiers, là? Il y a des sabots? Bon, il y a des Bissau aussi. Il y a tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des Burkinabés dans la salle? Oui. Il y en a qui n'ont pas levé la main. Oui. Bon, je vais reprendre la question. Est-ce qu'il y a des Burkinabés dans la salle? Oui. Bon, voilà. On peut commencer maintenant. Alors, donc je vous propose le plan suivant. Je vais d'abord décliner l'objectif de cette séance. Après, nous allons revenir sur les compétences que vous allez acquérir, donc ce que vous serez en mesure de faire ou de ne plus faire à la fin de la séance. On va repartir aux origines du mot civisme pour lui trouver une définition. Et bien sûr, on verra à quel moment on a commencé à parler du civisme dans notre pays. Reviendra sur l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté, et on va conclure. Mais avant la conclusion, il y aura un petit quelque chose qui n'apparaît pas sur le plan, et on va discuter là-dessus. C'est juste une petite phrase qui va résumer, en fait, si vous voulez, tout ce que nous aurons eu à faire ce matin, et tout ce que, voilà, moi je voudrais, et ce que vous-même vous voudriez faire à la fin.
de cette séance-là. Ou bien j'espère que c'est ce que vous faisiez déjà. Alors, on m'a dit que vous êtes de futurs entrepreneurs. Je ne connais pas le niveau de tout un chacun ici. Je parle français, ce n'est pas ma langue maternelle. Je vous ai dit que je suis moi aussi. Mais j'espère que tout le monde comprend ce que je dis. Parce que c'est la langue officielle du pays. Donc, l'objectif de cette séance, c'est de susciter donc chez vous un comportement citoyen, patriotique et responsable. Vous avez vu que j'ai mis quelque chose entre parenthèses, c'est trois points de suspension. Donc, ensemble, on peut se demander pourquoi ces trois points entre parenthèses. Celui qui trouve, il a déjà tout gagné. Peut-être qu'il sera le futur président du FASO ou bien le président de la Chambre de commerce. Qu'est-ce qui peut être entre parenthèses comme objectif? Pour compléter cet objectif-là, pour qu'il soit entre guillemets parfait. Ici, c'est susciter chez les futurs entrepreneurs un comportement citoyen exemplaire. Merci. On retient exemplaire, c'est pas mal. Mais il peut y avoir mieux. Qui d'autre? Je me nomme Sawadou Ali, promoteur du poulet de race locale. Je propose ici citoyen honnête. Citoyen honnête, on retient honnête, oui. Mais vous n'êtes pas loin, mais vous n'êtes pas arrivé non plus. On va aller derrière. Le monsieur qui a levé sa main là. Je m'appelle Abdelaziz Bamba, promoteur de lumière scolaire. Pour moi, c'est un comportement citoyen et dévouement patriotique et responsable. Dévouement patriotique, responsable, oui. On va prendre une dame. Bonjour, je m'appelle Weleko Kaline. Pour moi, c'est un comportement citoyen, intègre ou civil ou encore civique. Voilà, l'un des trois. Tous les trois d'ailleurs. Bon, elle a dit le premier mot qui m'intéresse beaucoup. Intègre quoi? Mais citoyen intègre, c'est citoyen quoi? J'ai demandé au début qui est burkinabé. T'es pas citoyen de la lune, c'est citoyen burkinabé. C'est le mot burkinabé là que je cherchais. Voilà, il faut d'abord que vous compreniez que vous êtes burkinabé. Voilà, vous n'êtes pas citoyen d'un autre pays. Vous êtes citoyen du Burkina Faso. Donc, susciter un comportement citoyen burkinabé, patriotique, qui aime son pays, qui aime le Burkina Faso et qui est responsable. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais faire des jaloux. Donc, à la fin, quand je dis que je vais faire des jaloux, c'est que je veux qu'à la fin de cette séance-là, vous... Quand quelqu'un d'une autre nationalité vous voit, qu'il soit jaloux du fait que vous êtes burkinabé, parce que vous êtes un citoyen burkinabé, patriotique et qui est responsable. C'est le mot que je cherchais. Mais c'est quoi être burkinabé au fond? Bonjour, je m'appelle Traoré Sita. Pour moi, un burkinabé, c'est être intègre. Être burkinabé, c'est être intègre? Oui. C'est être quoi de plus? Intègre, c'est quoi? Intègre, c'est quoi? Intègre, quelqu'un qui est honnête et responsable. Qui est honnête, qui est irresponsable. Il manque quelque chose. Et quoi? Et digne. Et digne, il manque quelque chose. Mon nom, c'est Bataboué Bakouan. Voilà. C'est lui l'entrepreneur. Ah ouais. C'est lui là l'entrepreneur. Il a arraché la parole. D'abord, voilà, mon nom est Bataboué Bakouan, promoteur de Fonds Missionnaire Burkina, session COSI. Uh-huh. Voilà, être un Burkinabé intègre, c'est être un travailleur, en fait. Un travailleur, ouais. Ah oui, ça se sent que vous travaillez. Vous avez vu, moi. Voilà.
autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le move. Avec vous, le move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress? C'est génial ça! Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo Aller Simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZADCAO et à Bobo au secteur 5. Info line 3440 3444. Elitis. La passion du voyage. Elitis Express. Alors, ils ont dit être intègre, c'est quoi? On reprend? Être honnête, être... Être digne, être responsable. C'est... Être quoi? Incorruptible. Il ne faut pas être corrompu. Et ne corrompez pas non plus. Alors, si vous cherchez même dans le dictionnaire, le mot intègre, là, c'est quelque chose qui a, depuis son origine jusqu'à la fin, est resté pareil. Donc, qui n'a pas été changé à un moment donné, qui n'a pas été altéré, donc qui n'a pas été corrompu. Voilà. Donc, si vous êtes entrepreneur et vous laissez corrompre, vous n'êtes plus des entrepreneurs. Donc, ayant, tout le monde connaît l'objectif maintenant de la séance. À la fin, vous allez, bien sûr, savoir d'où vient le mot. Civisme, vous allez pouvoir le définir et surtout, vous allez pouvoir agir en tant que citoyen burkinabé responsable, conscient, patriote. Le mot patriote, on l'a dit plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? Être patriote, c'est quoi? Pour moi, être patriote, c'est aimer sa nation, servir avec dévouement cette nation-là. Aimer, c'est ça, c'est le mot que je... Cherchait, aimer sa nation, aimer son pays, aimer le Burkina Faso. On va arrêter de dire, comment on appelle, pays, nation. Quand on va vouloir parler de
cette entité-là, on va dire Burkina Faso. Donc c'est aimer le Burkina Faso. Donc tout le monde va répéter après moi, aimer le Burkina Faso. Aimer le Burkina Faso. J'aime le Burkina Faso. J'aime le Burkina Faso. Parce que je suis Burkinabé. Parce que je suis Burkinabé. Voilà. Donc, c'est un bon début. Ça va continuer comme ça. Alors, donc, le civisme. Mon civisme vient de civique. Donc, c'est un mot dérivé du mot latin civis, qui signifie le citoyen. Donc, vous voyez que jusque-là, je ne vous ai rien appris. Vous avez même parlé des citoyens avant que le cours ne commence. Donc, le mot civique, donc, concerne le citoyen et son rôle dans la vie politique. Le mot politique, là, ici, peut poser problème, parce qu'il y en a qui comprennent faire la politique, c'est être un corrupteur ou un corrompu. Non. Voilà, la vie politique, c'est, si vous voulez, c'est la vie de la cité, la vie du pays, la vie du Burkina Faso, si vous voulez. Comprenez la vie politique, là, comme la vie du Burkina Faso d'une manière générale. Les dictionnaires d'édition Larousse qui disent tout simplement que le civisme, c'est le sens civique. Oba est où? C'est Oba quoi? Oba Priscille, commentez-nous le sens civique. Comment est-ce qu'on comprend le sens civique au pays de Diabalompo? Selon moi, le sens civique, ça veut dire celui-là qui a cultivé la citoyenneté en lui-même, qui est citoyen. Il a cultivé la citoyenneté. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Quoi de plus? Bon, j'ouvre une petite parenthèse. Un être humain, il a combien de sens? Le sens de odorat. Lui, le toucher, le goût, la vue. C'est, on a cité les cinq là. Il y a le sixième sens. C'est pas le sixième sens de Bruce Willis. C'est ce sens-là. Ah, pour vous, hein, pour vous Burkinabé, pour nous tous Burkinabé. Ça sera maintenant ça le sixième sens. C'est pas le sixième sens de Bruce Willis. D'accord. Tout le monde connaît le sixième sens, le film qui a été tourné avec l'acteur Bruce Willis, non? Voilà. Donc, ça sera ça votre sixième sens. Donc, tous les cinq autres sens que vous avez cités là, vous devront, à partir de maintenant là, vous permettre d'avoir ce sens-là. Donc, vous devez toucher du Burkinabé, respirer du Burkinabé, voir du Burkinabé, avoir le goût du Burkinabé. N'est-ce pas? Les tenues, façon d'Amphani, tout ça là. Façon d'Amphani, il y en a qui confondent la boisson d'Amphani là. À façon d'Amphani. Bon, les Samo savent de quoi je veux parler. Voilà. D'accord. Et pour le Robert, j'ai un ami qui s'appelle Robert, comparé Robert, que je salue au passage. S'il nous regarde, parler comme un célèbre présentateur télé. Alors, pour le Robert, le civisme, c'est le dévouement du citoyen pour sa patrie. Donc, vous voyez que jusqu'à présent, je ne vous ai rien appris. Au début, quand on discutait pour entrer dans la matière, il y en a qui ont parlé de dévouement. Il y en a qui ont parlé de patrie. Bayiri. C'est le patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? On a tous dit ce matin ensemble que j'aime le... J'aime le Burkina Faso. Ah voilà. Donc, le civisme fait donc le bon citoyen, le patriote, le Burkinabé. Et je me suis amusé avec les couleurs pour que ça impacte dans vos esprits. Donc, une partie en rouge. Une dernière partie en vert et au milieu vous avez l'étoile. Ça vous dit quoi? Quelque chose que vous avez fait ce matin? Les couleurs nationales. Donc le civisme forge
la personnalité de l'homme social au sein de la communauté burkinabé. Donc, pour répéter en langage burkinabé, le civisme doit forger votre personnalité en tant que burkinabé, c'est ça? Comment on dit burkinabé en samo? Ça existe? Ah oui? C'est grave ça. Je vous savais pas aussi évoluer que ça. Ça veut dire quoi? Burkina? Eh? Ah non. Hein? Alors, vous voyez, c'est ça aussi qui fait le charme de notre pays. Hein. Voilà, la parenté à plaisanterie. C'est aussi qui fait le charme de notre pays et ça devrait être cultivé, mais pas travesti. Voilà, ça devrait être cultivé et encouragé. Donc, il y a deux notions voisines au mot civisme là. C'est la citoyenneté et la civilité. Ne confondez pas cela. C'est vrai que on aurait tendance à croire que citoyenneté et civisme sont des mots synonymes, mais non. Synonyme et civisme, voici les sens que le dictionnaire lui donne. Et avec ces deux définitions-là, vous pouvez en faire une synthèse, voilà, pour trouver réellement ce que ça veut dire. La citoyenneté, c'est plutôt les conditions du citoyen. N'est-ce pas? Et les civilités, c'est quoi? La civilité? Civilité, c'est bien se comporter. Voilà, c'est le, si vous voulez, le respect mutuel. On a l'origine, on a la définition du mot. Voyons maintenant, à partir de quand est-ce que on a commencé à parler de civisme au Burkina Faso. Alors, nous sommes un pays, si vous voulez, une ancienne colonie de la France. Donc, il va de soi que, pendant que nous étions une colonie, voilà, nous étions instruits, si vous voulez, comme une colonie française. Je ne vais pas dire comme les Français. Voilà, nous étions instruits à l'école comme une colonie française. Et en matière de civisme, c'était enseigné dans le but de former des citoyens, excusez-moi, des citoyennes et des citoyens, efficaces et renseignés, des femmes et des hommes intellectuels, capables d'agir dans le temps, associant le sens critique et la lucidité d'esprit à une attitude courageuse et optimiste en face des tâches qui les attendent. Ça, c'était le but dans lequel était enseigné le civisme quand nous étions une colonie française. Quand nous avons eu notre indépendance, quand le Burkina Faso s'est baptisé Haute Volta, donc, il a fallu que nous aussi, voilà, nous ayons un but en instruisant civiquement nos citoyens. Donc ce but-là, c'est l'initiation à la vie civique. Il convient de bien faire connaître les institutions nouvelles et de préparer les enfants à bien jouer leur rôle de citoyen. Donc, ça concernait surtout à apprendre. Comme c'était un pays nouvellement créé, ça consistait surtout à apprendre aux gens à connaître les institutions du pays et à apprendre à être un citoyen. Parce que c'est un pays nouvellement créé, il faut qu'on arrive à faire de telle sorte que tous ceux qui se réclament de ce pays-là, donc de la Haute-Volta, se sentent voltaïques, vivent en voltaïque, comme nous, aujourd'hui, nous vivons comme Burkinabé. L'émission Pépite d'entreprise vous a été offerte par Coris Banque Internationale.